pas vous, là, non. Non, c'est, non, pas le mec, celui-là, là. Non, l'autre, celui qui se barre, là. Il suit le... Bon, tant pis. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais l'uniforme, il est pour beaucoup. Ah si, parce que ma femme dit toujours « T'as signé sans réfléchir !» Elle me dit... Eh, hey, j'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil, hein. Si on avait réfléchi, on n'aurait pas signé, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Remarquez, on rentre pas comme ça dans la police, hein. Il y a les examens et tout, passe-nous des psychiatres. Moi, je suis passé devant un psychiatre, il m'a dit, combien j'ai de doigts? Alors, j'ai des examens, hein. J'ai dit, je sais pas, 15. Il m'a dit, bon, signez-la, 15 ans. J'ai eu du bol, hein, j'ai dit ça au hasard. J'aurais pu avoir tout faux. J'avais tout bon. Eh, remarquez, c'est utile comme métier. Si. Le chef, il dit tout le temps, l'agent de police est à l'automobiliste, ce que le crapaud est à l'insecte. Ouais. Puis c'est bien, l'uniforme, c'est pour draguer. Les gosses. Alors, eh, mettons, alors moi, parce que des fois, quand on est... Hein? Ah, si? Bon, alors, un autre exemple. Tiens, je vais vous le faire, ça va aller plus vite. Alors, voilà, mettons, parce que... Bon. Alors... Oh non, merde, déconnez pas, merde. Non, vous êtes salaud. Je m'en fous. Bon, alors... Non, alors, je le fais. Hé, hey, là-bas, la blonde avec le gosse, au pied. Sec. Ouais, vous avez au papier, je suis de la police. Voyons voir. Ginette, ha, 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 ha. C'est joli comme nous, hein? Ginette. 17 ans, moi aussi. De métier, moi, oui. Il est mignon, c'est votre petit frère, hein? Votre fils, bon, c'est reculé. Non, là, c'est un mauvais exemple. Mais d'habitude, ça marche. Hein. Et dis-donc, un gosse, il est grand comme ça, et déjà, les cheveux longs, grand comme ça. Pas déconner, merde. Après, à 18 ans, tu te retrouves dans les manifs, hein. Petit salaud. C'est pas le mien quand on va dans les manifs, parce que chez les frères, jusqu'à 21 ans, on n'a pas le droit de sortir. Marqué, on a le droit d'aller le voir, hein. Mais on n'y va pas parce que ça lui fait trop de peine quand on le quitte. Alors comme ça, il est là, il apprend bien, et puis quand il sortira, il aura ses bagages pour faire ce qu'il veut, pour aller poser par terre. Il pourra rentrer dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans l'armée de mer, dans la marine, enfin s'il veut, quoi. Mais si vous voulez, j'aimerais mieux qu'ils fassent pas police, parce que la police, c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est ingrat, police. Parce que je vois, parce que pas, hein, parce que je vois, parce que quand on, des fois, on est, parce que, par exemple, je vois, parce que les gens nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger, hein, on est là pour les défendre. Hein. Tant pis. Je vois, les gens ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent. Non, puis on fait gaffe parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux jusqu'à là, je les reconnais pas. Ah ouais, puis il y a les appariteurs. Dans les manifs. Eh. Les appariteurs, c'est les flics en civil qui ont les manifs, alors. C'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pendant que c'est les ouvriers, les étudiants. Non, déconnez pas, on va se faire piquer. Elle dit, on fait gaffe, elle dit, tu vois pas le coup qu'on t'a passé la gueule d'un flic. Et... Ah, la crise, Une fois, c'est arrivé, on avait bourré la gueule à un flic, ils ont dit que c'était une bavure.
T'aurais vu la gueule de la bavure, hein. Moi, ça m'a passé l'envie de baver, hein. Ah, je bave plus, mon impeccable. On se fout la gueule. On est une bande de jeunes, on se marre. Parce que je vois, les gens, ils disent « Oui, la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à SNCF et au PTT. » Oui, mais non. En fait, c'est exagéré. Parce que moi, je vois... Bon, je suis pas dans un gros commissariat, hein. Bon. Mais je vois déjà, rien qu'au commissariat que je suis, il y en a au moins... Que je dise pas de bêtises... Il y en a au moins quatre qui boivent pas. Si, de la bière. Non, puis l'apéritif avec les copains, puis du vin à table. Des nôtres, tout ça. Enfin, c'est à part ça... Ah ben, c'est comme dans tous les troupeaux, hein. Il peut y avoir des brebis galeuses qui se glissent. Nous, on a Robert, c'est un grand, il est marrant. C'est un troupeau, lui, tout seul. Hé hey. Non, on ne connaît pas, mais... Je m'en fous, moi, je la connais, l'histoire. Hein. C'est vraiment pour aider. Alors, bon, alors l'autre jour, il arrive, il gueulait. Robert, pff, il arrive. J'en ai eu un, j'en ai eu un. J'en ai eu un! Il gueulait. Il en avait eu un. J'y étais, alors. Il avait arrêté un mec pour état d'ivresse qui était plus bourré que lui. Vachement rare, hein. Faudrait que l'autre fait exprès aussi, il en avait plein sa musette. T'es sympa d'ailleurs, le mec. Raymond, il s'appelait. Un charcutier. Moustache, cheveux courts, très sympa. Allons, il a payé le coup et tout. Alors, Robert, il disait, mais Raymond, il faut pas rouler à 150 à l'heure quand on était à l'adresse. Alors, tu disais, eh ben justement, monsieur l'agent, je me dépêche de rentrer parce que quand on est bourré, on peut avoir un accident. Après, ils ont fait un concours de ballons. T'aurais vu la couleur des ballons. Il y en avait, c'était même pas marqué dans le manuel. C'est Robert qui a gagné. Ah non, mais balèze au ballon, il s'entraîne. On se fout la gueule. Tiens, un exemple. L'autre jour, il y a un bicnit, il vient pour changer une carte d'identité. Bon, un truc. Bon. Alors, il arrive, alors Robert, il fait hey, « Hé, tu me donneras l'adresse de ton coiffeur. » Après, on s'est marié, on lui a cassé la gueule. Hein? Ah non, mais on fait grave, on tape avec le plat de la main dans le dos. Comme ça, ça fait vachement mal, mais ça fait pas de traces. Ah non, on n'a pas le droit aux traces. Ah non, elle déconnait pas avec ça. Non, non, elle rigolait pas, là. Non, non. Je m'en fous, je vais prendre des noms, hein. Non, elle déconnait pas, mais les mecs, quand ils ont des traces, après, ils peuvent porter plainte, hein. Marqué pour porter plainte, il faudrait qu'ils viennent au commissariat, alors. Non, mais en général, ils viennent pas, on n'a pas à se plaindre. Alors... Après, on l'avait attaché à la grille avec des menottes, parce qu'on fait des jeux, tout ça. Ah, on se rend la gueule, hein. Et puis alors, Robert a été chercher sa tondeuse, parce que Robert, il a une tondeuse. Mais c'est à lui, hein, c'est pas fourni. Alors, le mec, il a eu vachement les miches. Bon, il a pas coupé les cheveux, parce qu'une fois, il en avait un, il avait coupé les cheveux à un bicnit, comme ça. Hein? Et ben, il a eu un avertissement, hein. Et au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Ah, t'es connu. Alors Robert, lui, il s'en fout, il est pas gradé. Non, mais les gradés, ils font gaffe. Hein. On se fout les gueules. Tiens, un autre exemple. C'est déjà deux, hein. Notez. Hein. Bon, l'autre jour, j'étais de faction à une intersection affectée à la surveillance des usagers. En clair, je bulais un carrefour. Bon, j'étais là depuis un bon quart d'heure, je foutais rien. Vous savez, quand on fout rien, les mecs, des fois, quand on... Un peu comme là, quoi. Alors, j'étais... Ah non, mais pire, parce que nous, quand on fout rien, on n'y pense même pas. Hein. Alors, j'étais là. Non, merde. J'étais là comme ça. Bon, je vois un mec qui s'amène avec un petit papier. Je sentais que je voulais me demander un renseignement. Mon arrêt dit qu'il n'osait pas, qu'il avait peur. C'est genre le mec louche un peu. Basané. Ah oui? Non, parce que nous, on nous apprend à reconnaître les mecs louches, hein. Fait des stages avec les chiens et tout, hein. Si, en deux langues. En allemand pour le chien, en arabe pour le mec. Alors, on était... Alors, c'est pas là, je vous dirais.
Non, non. Faites passer, c'est pas là. Alors, bon, alors j'étais là, et le mec, il est tourné. Bon, si vous voulez, il était pas franchement louche, mais il était franchement basané, hein. Mais, bon. Alors, moi, je l'avais vu, le mec, mais je faisais mine que rien. Je vais vous le faire. Je le fais bien, hein. Ah oui, mais je m'entraîne. Alors, il était là avec son petit papier tourné autour de moi, et je sentais qu'il n'osait pas, qu'il avait peur. Le genre, le mec, patibulaire, tu vois, mais presque. Finalement, attends, finalement, il s'amène. Pardon, monsieur l'agent, excusez-moi. Est-ce que ça, vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'il est, pas sur la tête, le commissariat de police, parce que j'ai pardon mes papiers d'identité, je voudrais faire une déclaration, excusez-moi. Oui, vous avez vos papiers? Il les avait pas, dis donc, je te l'ai emmené au commissariat.